to your favorite modern world. Bonjour tout le monde. Vous connaissez bien évidemment le groupe polonais Amarok. Pas moi en fait. Il aura fallu l'annonce de leur concert le samedi 18 novembre prochain chez Paulette par l'association Arpeggia pour que je me penche sur leur musique. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, si ? J'ai choisi le dernier album studio du groupe Hero, sorti en 2021, pour me forger une opinion sur cette formation aux influences flaudiennes et wilsoniennes venues de l'Est. Un album 7 titres de moins de 3 quarts d'heure qui donne dans le rock progressif ambiant, avec beaucoup de claviers et de guitares gilmouriennes, jouées par le frontman et chanteur Michal Vojtas. Si depuis 2001, les albums de Amarok sont principalement instrumentaux, avec quelques invités venus de groupes connus comme Camel et Riverside, Hero, lui, est un concept à texte avec un seul titre sans parole, The Dark Parade. Alors j'ai survolé la discographie du groupe depuis 2001, et même les albums solo du Michal, et il faut bien reconnaître que l'artiste explore de nombreux genres, de Pink Floyd à la world music, en passant même par la danse. Je n'ai pas tout adopté, loin s'en faut. Mais Hero, que certains considèrent comme sa plus belle production, a su parler à mon cœur. Hero parle de notre planète qui se meurt. Et malgré un thème assez lugubre, il faut bien le reconnaître, l'album laisse planer une touche d'espoir dans le texte. It's Not the End, qui ouvre l'album, me fait beaucoup songer à du Riverside, quand Hero donne dans le Pink Floyd, notamment si vous écoutez la basse. What You Saw m'évoque Satellite, Hail Hail Hail, et tout particulièrement The Dark Parade me ramène à Porcupine Tree. Alors du coup, on se pose quand même quelques questions sur l'identité de la musique composée par Michal, car elle emprunte beaucoup à des monstres sacrés. D'un autre côté, l'album est varié et très agréable à écouter. Alors bon, un de mes morceaux préférés s'intitule « It's Not the End », une pièce d'un peu moins de 5 minutes qui emprunte un peu à Marius Duda et Steven Wilson. Son ouverture, presque folk, est d'une grande pureté et le final, quasi instrumental, vous rappellera certainement les riffs rageurs de Porcupine Tree. Autre point d'orgue de cet album, le titre très flaudien Hero au refrain magnifique. Mais je ne vous cache pas que j'adore tous les morceaux de cet album. S'il n'est pas fondamentalement original, il est très beau, riche en émotions et possède des références très confortables. Du coup, mon 18 novembre est réservé pour aller écouter Amarok chez Paulette. Je vous invite vivement à faire de même. Écoutez-le sur Bandcamp. Vous m'en direz des nouvelles. Merci à Arpeggia pour cette très belle découverte. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel album. D'ici là, soyez sages. Bisous !